Oh là là. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, c'est bon. Dis-moi que c'est bon. C'est pas là, ni en haut, ni en bas. Vous êtes en train de me dire... Vous étiez là, jette ta torche et tout, mais en fait, j'ai fait tout ça pour rien. C'est ça que t'es en train de me dire. C'est pas là, ni en haut, ni en bas. Bah, c'est où, alors? Moi, vas-y, je crame tout, mais non, c'est bon, c'est mort. ça crame pas. Ok, d'ac. Je sais pas, ça me semblait pas mal. Bah, alors, c'est dans le foin de là. C'est là. Ah! Oh là là, là, c'est sûr. C'est là. Ça s'arrête plus de cramer, dis donc. Mais absolument pas, et en plus j'ai complètement perdu ma torche là-dedans, c'est ça? Il va faire nuit et on a toujours pas trouvé le truc. Donc c'est pas ça, hein. C'est bon pour moi. C'est des ruines donc que tu cherches. Brûle Albert, mais non! Franchement, je vais brûler les vautours, ouais. Tiens. Non, pas ça. Alors, voilà, là j'ai tué des bébés vautours. Vous êtes fiers de vous, j'espère, hein. Si je prends feu moi-même, par contre. Pas ça du coup, hein. Mais il n'y a pas de palmier ici. Donc c'était pas là depuis le début, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Pourtant ça répondait aux critères, entouré par des pierres. Attends, je te relis mon papyrus. Parce que quand même... Mon papyrus disait... À quelques centaines de pas au nord-ouest du temple de Sekhmet Dimou, on y est, qui se trouve près du lac Maerotis. On y est encore. Un lieu vaste et idéal pour une rencontre fructueuse. On a rencontré des vautours, ça s'est très bien passé. Couvert de palmiers. Ah, il n'y a peut-être pas assez de palmiers, c'est ça que tu essayes de me dire. Et entouré par le désert, il est ceint par une clôture de rochers sans issue. C'est là que tu me trouveras. Donc on n'est pas au bon endroit? C'est pas là, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Ah d'accord. Bah on se casse du coup. Hein. Demande à Ragnar de t'aider à ce niveau. Mais vous avez cru qu'il connaissait tous les jeux par cœur et que... Ah bon, tu connais tous les jeux par cœur? Écoute, je cherche un trésor, je crois. Bon alors, on repart sur... Bah alors, où est-ce que ça peut être? Vol de l'aigle. À 100 mètres du temps. Oh! Attends, mais ce serait pas là, entouré par le désert et des cailloux? Putain, c'était là, je suis sûre. Enfin non, ça a l'air d'être un village, donc c'est un peu bizarre. Tu sais quoi, dans le doute, on peut aller voir, hein. Bon bah on aura tout cramé ici, tuer des vautours pour nada. Attends, c'était par là, genre. Mets le feu au village avant que ça tombe et ça passe. Mais c'est terrible! J'ai cramé des bébés œufs vautours. Voilà, là il y a des pierres. Qu'est-ce que t'en penses? Là il y a des pierres. On est entouré par le désert, on est à 100 mètres du temple. C'est forcément par ici. Tiens, là il y a un truc. Des sous. Toujours bon à prendre. Visitons! Qu'est-ce que là-dedans? Une femme? Pas du tout. Ok. J'ai rien vu en plus. Mon oiseau il dit quoi de ça, genre? Mais quoi là? Il voit rien, c'est ça? Genre c'est inhabité.
pas là du tout. Bah, je crois pas que ce soit là. Ou alors c'est. En même temps, c'est caché. Peut-être que c'est voulu, je sais pas. On va quand même continuer un peu l'exploration. Pourquoi il y a la fumée du brouillard d'un coup? Je sais pas, c'est la nuit qui tombe peut-être. Dans le puits. Dans le puits! Faut peut-être descendre là-dedans. On ne voit pas le fond. Ouais, non. Dans les feuilles. Dans les feuilles. Ouais, je pense pas. Là, mets le feu. Mais en fait, vous en savez rien. Vous savez pas ce qu'on doit faire ni ce qu'on cherche. Il faut activer cette machine. Je pense qu'en activant cette machine, nous puiserons de l'eau. Je sais pas comment activer. Mais pourquoi t'es en position, genre à tout moment tu attaques et tout? C'est pas ça qu'on te demande. Halt. Comment activer ça? Albert, faut peut-être que tu viennes pousser, non? C'est le chameau qui doit pousser, enfin le troubadère. Ça doit être ce mécanisme qu'il faut activer. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, calme-toi. Mais... Oh putain. Il veut pas pousser le truc. Il fait tout sauf ça. Pourtant on dirait qu'il a envie d'essayer de le pousser. C'est pas ça du tout. Et avec Albert, vas-y. Albert, il va réussir. Wow. Attends. Chut. Oula. J'arrive pas à activer. Peut-être qu'il faut pas, c'est pas du tout ça. Je suis en train de me prendre la tête alors que personne n'a jamais... Me prend la tête, c'est ça. Ça se trouve, c'est un prank, elle va trouver de la pierre. Bah, je sais pas, je me disais activer ça, ça met en branle tout le schmiblig et tout. Il y a de l'idée, tu vois. Non, Albert, il a décidé de se barrer, il est fatigué. Où est-ce qu'il va? T'essayes d'activer le truc, Albert? Tu essayes de me dire quelque chose? De toute façon, je comprends pas trop comment ça marche en fait, ça. Laisse tomber les papyrus, c'est pas des trucs ouf à chaque fois. Ouais, mais j'ai envie de savoir le secret du papyrus maintenant. C'est pas du tout ici, c'est ça? N'essayez pas de m'aider surtout parce que vous faites genre vous savez, mais en fait vous n'en savez rien. C'est au milieu d'un des murets de pierre, pas la machine. Au milieu d'un des murets de pierre. Attends. Bah le muret du. Au milieu d'un des murets entouré. Lequel est complètement fermé, genre? Pas ça... Non... Celui-là! Celui-là, il est complètement fermé, regarde. Donc c'est avec ce palmier. C'est sûr. Voilà. Je suis sûre de moi, c'est ici. C'est là! Pam, pam, pam. Oh, merci à tous pour ce travail de coordination. Nous avons réussi, nous avons résolu le mystère du papyrus. Et ça,
C'est incroyable. On va passer tout notre temps à faire ça. Bon allez, viens, Albert. Faut qu'on y retourne. Non, tu veux pas venir, faut que je vienne à toi, c'est ça. C'est bien parce que c'est toi. Alléluia. Wouh, saut d'obstacle. Alors, du coup, la suite de l'histoire nous dit d'aller voir Ex Voto Ultérieur. À la demande de Ménéhet Bayek, enquête sur des ventes de fausses idoles au marché du Mou. Ben voilà, c'est ça, c'est cela que nous allons faire. Et au niveau du bouclier, est-ce que je mettrai pas mon tout nouveau bouclier trop BG? Mais il est parti où mon bouclier? Un truc rare et tout, franchement c'est chouette. Non moi je suis contente, je suis pas déçue de d'avoir fait ça. Bon allez, on retourne rencontrer les marchands du marché d'Imou. C'est bon, j'ai cliqué sur les boucliers. Bon, ça va venir hein. C'est des jeux dont j'ai pas forcément l'habitude de jouer, je vais les prendre en main tranquille tranquille. T'as de l'œuf dans la barbe. Il me dit je suis nulle, alors voilà. Bim. Et voilà, fin du live, merci à tous. Mais non, moi je suis trop contente. Continue encore. Progression de l'investigation, certains marchands sont peut-être prêts à parler des fausses idoles. Bon, on va les trouver, hein, ceux qui veulent bien parler. Pour la peine, garde le bouclier jusqu'à la fin du jeu. Bah non, si j'ai un truc mieux qui se présente, on prendra le truc mieux, on va pas se mentir. Attends, est-ce que si je vais par là, on... Je crois pas qu'on soit plus près des marchands. Bon. Oula! Vous faites grève, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Ils ont trop peur d'Albert, quoi. Eh oh! C'est un gentil drôle. J'arrive pas à passer les portes. Attendez! On va faire un effort, Albert. Voilà. Hop là! Formidable. Là, on se prend le ruban. Hop! Ça, c'est le coup du fil à linge qu'on appelle ça. Est-ce que j'ai déjà rencontré Aya? Effectivement, j'ai vu. Une femme. Oh, on dirait qu'un enfant l'a fait. Ah, ça y est. Tu m'as vendu une amulette d'Ator et ma femme est quand même tombée malade. Ah, ça y est, là où ça râle, c'est forcément là que ça se passe, je pense. Bonjour, monsieur, vous êtes prêt à parler? Bonjour. Tu es arrivé au bon endroit, Neb. Nous pouvons te fournir tout ce que tu veux ici. Ce que je veux, c'est que tu me parles des fausses idoles vendues sur le marché. J'ai entendu des rumeurs, mais elles sont sans fondement. Maintenant, pars si tu ne veux pas d'ennui. Non, bah lui, on dirait qu'il n'est pas prêt à parler, hein. Ces momies de chat sont fausses. Peut-être lui. Parle-moi des fausses momies qui se vendent ici. Je ne veux en aucun cas être mêlé à ça. Bah, il veut pas être mêlé. C'est Ménéhet qui m'envoie. Ton silence insulte. Mais lui, on va le faire parler, Sean, qu'on est un peu plus à confiance. Je ne veux pas fâcher Ménéhet, ni les dieux. On nous force à vendre des articles de mauvaise qualité. Sinon, on détruit nos étals. Ah bon? Qui est ce on? Je ne peux pas parler. Retrouve-moi ce soir, à la lisière du village. Où ça, la lisière du village? Ah mais il est parti déjà, bah oui, on est ce soir. Suivons-le. Le marchand est en route vers la ferme. Bah, autant le suivre, on est hyper discret, hein, niveau... On va pas du tout voir qu'on est ensemble, lui et moi. Putain, mais si j'avais su, j'aurais pris Albert, là. 300 mètres. Pour un marchand, il a quand même eu un bon cardio, hein. Ce vendeur à la sauvette. Il est trop parti, genre il y avait les keufs. J'ai l'impression d'être un flic en course poursuite. Il va vite en plus, hein. Non, là, il faiblit. Je suis en train de le rattraper. Vite, faites place. Regardez-le qui galope là. Pyramide déguisée pas cher. V'là les headnecks. Suivons-le. On a fait un détour là, non, en vrai. Je pense, j'ai l'impression. Et ça va, franchement, on tient bien, on est même pas essoufflé. Je sens qu'il y a de l'entraînement sous-jacent. Attends, mais
fait un tour de, des tours de ouf. Le point, il est là-bas, s'il te plaît. Attends, je l'ai perdu. Je suis suivi par des chats. Marron. Oh, marron. Salut. Ou alors. On peut faire un câlin? Non, on peut pas faire de câlin. Oh, petit minou, je te marche dessus, ça. Hop. J'ai perdu le... Le marchand. Il m'a faussé compagnie, genre... Tu le rattrapes zéro. Ouais, mais il s'est téléporté aussi. Full cheater. C'est là que je dois le retrouver. Alors, je lui ai mis une balise GPS pour le localiser. Et genre, il m'attend là comme s'il m'attendait depuis 3 heures. Mon ami, je suis content que tu aies pu venir. Bah, on te suivait jusqu'à ce que tu disparaisses. Viens, assieds-toi et buvons un peu de vin. Cool. Hélas, je n'en ai pas le temps. Ah non ? Ok, on arrête. Ah, la nuit est magnifique. Je crois qu'il essaye de me draguer. Hein. Je suis pas sûr, mais... la fraîcheur de l'air avant de parler affaires. Marchand, je ne suis pas venu pour prendre l'air. Et il essaye de... Qui a organisé ce trafic de monter un plan. Bien, tu vois, c'est assez compliqué. Attends, on va être obligé de le buter, je crois. Beaucoup de gens sont mêlés à cette sortie d'affaires. Mais tous te diront la même chose. Malheur à l'homme crédule, car il est destiné à souffrir. Si tu cherches le mal, oh, tu te trouveras. J'ai hâte de voir à quoi ressemble tes... La pourrinitude est de retour. Sur des eaux inconnues, on risque le... Oh là là ! Esquive, Nao, esquive. Attends, non, c'est un truc, je sais plus comment on lance ça. On ne retrouvera rien de toi après le passage. Mage F. Mage F. Ah ! Alors, tu es lassé. Attends, j'ai regardé mes touches de seconde, ils ont eu le temps de me buter. T'es sérieux ? Que je fasse une émote rip. Hé, hey, attends-toi. Ma gueule. Tuez les bandits, allez. Oh là là, mais ils on sont... On dira ce qu'on veut, il sait se battre. Dommage qu'il se soit montré trop curieux, ça lui sera fatal. Et on se calme, là. Ouh, je peux pas danser la Macarena, je suis en plein combat, je vais après. Et Macarena. Merci à toi, Lister Cred, pour le resub. Rien de toi après le passage. Oh, attention. Mage F. Oh. Oh, c'était bien dégoûtant. J'ai un peu mis mon... Ah, il y a du butin. On prend. Merci, Lister Cred, je te fais la Macarena rapidos. Hop, y a plus de musique et tout, donc c'est bizarre, mais bon, voilà. You. Petit butin, et j'avais pas vu des petites piécettes encore en l'air, genre il se passait des trucs. Bah non. Il y a une touche pour faire des roulades esquivées. Ouais, mais je les ai oubliées depuis. Un homme qui se bat aussi bien que toi peut se permettre d'être crédule. Ah bah là, on fait la fiat, hein. Ou tu connaîtras le même sort que les autres. Ce ne sera pas nécessaire. Le campement de brigands où on fabrique les fausses momies est dans les dunes, au sud-est. J'imagine que tu es pressé d'aller le détruire. C'est le premier combat que je te vois faire, on dirait Gotaga dans un duel de construction contre Kingstar sur Fortnite. Bah si on part à Gotaga, ça va, moi je prends ça comme un compliment en vrai. Trouver le campement des bandits. De ces imitations fera plaisir. Allez, on va casser des culs un peu. Dorée. C'est une honte. Attends, 400 mètres. Non mais là on appelle notre dromadaire, ça va pas. C'est le chat qui vient. Lui il arrive, il est à fond. Ah oh, mais il est là. Mieux qu'un Uber. Albert, le dromadaire. Tout droit, c'est le chemin le plus rapide. Oh. Ah, tu parlais de mon visage. Chut, on y arrive. Ah, objectif à proximité. Oui, reconnaissance de l'aigle. Oh là là, c'est des niveaux 8 quand même, hein. J'ai l'impression qu'ils sont plus HL que moi. Cible localisée. Attends, mais il y en a combien?
En plus, c'est leur chef, genre... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je sais pas comment je vais faire, hein. Faudrait que j'en ai un des côtés avant, peut-être. Que j'arrive à les prendre un peu un par un. C'est dur de d'être discret là quand même. Par là, des fougères, toi-même tu sais. On va descendre, on va laisser Albert ici, c'est plus discret. On va essayer d'être discret. Bon, vous connaissez mon talent pour l'infiltration. Hop, 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 hop. Wow, il y a plein de trucs. Détruire les cages des feux d'idoles. Attaque à vue par ici. Ouais, mais s'il me voit pas. Ha ! Oups, j'ai appuyé sur ma fenêtre du bureau. Oups là, oupsie. Ouais, mais par contre là, il y a quelqu'un en plein milieu, genre. Pas simple, hein. Attends, je vais faire le tour. Je me démerde. Il va me voir, lui, le 7. Le truc, c'est que si le 7 me voit, tout le monde me voit. Tout le monde va me sauter dessus alors que j'ai rien demandé. Non, tu m'as pas vu. Il me regarde quand même par ici, hein. Attends, je crois qu'il y avait un truc, genre je peux siffler pour attirer l'attention. Je vais essayer de le buter, lui, quand il va passer. Viens là, petit, petit, petit. Viens, viens. Je sais plus comment on lui saute dessus. Voilà, j'étais pas très discrète là, par exemple. C'était pas. Ah, il me tire des flèches. Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est bon, voilà, je suis mort, c'est sûr. Il est en train de m'enlever toute ma vie, ce con. Parade, Nao, parade. Saute, fais des trucs. Mage F. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis invulnérable, c'est ça? Voilà, je te fonce. Je te meurs. Voilà. Toi! Je les ai défoncés, ma parole! Attends, ils sont tous morts! Non, il y a le boss, le big boss, il est là-bas, genre. Hop! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux détruire les trucs, en fait. Ah bah ah voilà, c'est tout bon en fait, il suffit de tirer dessus. Je peux pas courir. Je peux plus courir, genre je marche comme une grosse badass. Nao le boucher pour. Oh, je prends feu. Comment oh là. Roule-toi dans l'air, fais quelque chose. Je suis folle. Carbonisé. J'arrive plus à courir. Il y a un truc qui s'est. Tuer le capitaine quand même, hein. J'espère que ma vie va remonter un petit peu. T'as sûrement appuyé sur une touche pour marcher. Option. Commande. Attends, avancer Z.
Marche W. Ah, c'est W. Quand je t'ai dit, j'ai appuyé sur toutes les touches. Non. Non, j'arrive plus à courir. Voilà, c'est fait. Menéa dormira tranquille. J'ai pas besoin de tuer le capitaine. Oh bah, de toute façon, il est là. Hey. Oh, attention, c'est parti. Oh là là, il met des sales coups, sa mère. Oh là là, je suis morte. Oh non, mes boyaux. Alors, tu... Tu veux peut-être passer en QWERTY. Ah, tu crois? Bah là, il s'était remis à courir, je sais pas comment. Il me dit pas de le tuer, donc je pourrais le laisser en vrai. Mais bon, j'aimerais bien courir. Attends, parce que j'avais vu qu'il y avait une touche marche, mais peut-être qu'il suffit que... Non, c'est pas ça que je veux faire. Commande. Courir. Déplacement auto X. J'ai pas courir, genre. Esquiver, c'est échappe, ce que je ne fais pas et que je devrais faire. Oh, je peux plus courir. C'est mort. J'ai accélération bateau, mais j'ai pas accélération de la marche. Albert ? Mademoiselle, vous êtes charmante. Il y a une touche exécution. Ouais, mais j'ai pas réussi. J'arrive pas à courir, bordel. Cours. Ah, c'est bon. Là. La mort est sur toi. Putain. Ou alors là. Ou alors là. Ah bah voilà, quand on esquive, c'est tout de suite plus facile. Bon, du coup, Albert, il est où, là? Ah, voilà. Non, mais je voulais lui régler son compte, quand même, tant qu'à faire. Comment ça, il y a du monde encore? Tu crois que tu vas faire le poids, toi? Même Albert est meilleur que ton cheval, allez, dégage. Non, t'es trop loin, tu me rattraperas pas, j'ai une monture de course. C'est bon. Vous avez plus de chef, arrêtez de vous battre pour du vent. Ah oui. Wow. Hop là, il fait du saut d'obstacle. Il est vraiment formidable, ce canasson. Pardon, monsieur. Tout droit. Oups, un palmier. Poussez-vous. Bon, au moins, il n'y aura plus de vente de fausses... Bah, de contrefaçons, hein, tout simplement. Nous avons mis un terme à la délinquance du marchandage. Franchement, on a bien avancé. Poussez-vous. Bah, rentrons par ici. Non, c'est pas par là. Pardon, excusez-moi. Ah, c'était la piscine. Ok. Oh, j'ai encore raté la porte. Je suis vraiment pas douée avec la porte. Bon, on rentre avec Albert dans le temple. Lui aussi, il a le droit de se confesser.
En plus, c'est à 100 mètres, 98. On s'en rapproche. Oula. Oups, excusez-moi, monsieur, je crois que j'ai un peu sommé. Non, cette porte, ça passait pas, visiblement. Hein. Non, mais il est forcément par ici. Là. Voilà. Ah, te voilà. Ouais. Trop bien, j'ai fait du dromadaire. Le fardeau d'un pèlerin qui bolosse les gens. Nous avons organisé un grand spectacle ici ce soir. Sekhmet, notre déesse, doit défendre le peuple face au chaos d'Isfet. Ma mythologie est restée. Mais Pamu, notre champion, est introuvable. Et le grand prêtre va me tenir pour responsable de son absence. Oh là là, catastrophe. Mais je pensais qu'il allait au moins me féliciter pour ma victoire contre les bandits. Mais rends-toi d'abord à la taverne. À la taverne, ça me plaît. En général, les tavernières sont assez sympas. Ah voilà, quête terminée. Un gros penchant pour la boisson. Dégâts et santé accrue. Yes. Yes, yes, et triple yes. Alors, attitude. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons... la parade. Tire dans la tête, recycleur de flèches. Ouais, mais moi l'arc et moi ça fait deux. Par contre, fouiller un ennemi après son assassinat. Comment ça, point d'aptitude? Ah, il en faut deux, mais c'est naze. Fléchette soporifique. Eh, hey, on pourrait essayer ça pour s'infiltrer. Essayer de soporifier les gens. Allez. En mode, on va essayer de faire de l'infiltration. MDR. On peut incendier des ennemis, non mais c'est fou ça. Oh, décomposition, oh là là, il y a des trucs. Ok, ok. Et bien voilà, ainsi s'achève ce petit happy ending. Oula, mon fauteuil a failli choir. J'espère que ça vous aura plu, on aura bien avancé. Et voilà, bah, du coup, oui, c'était assez court, mais quand même, demain, bah, on travaille. Et demain, je vous fais la prog des lives de la semaine qui viendra. Et voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Je vous fais des bisous. On se retrouve mardi en live pour du Dofus. Oui, ça va être incroyable. Et je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Ciao. Bye bye. Ah, j'arrive pas à remettre la scène de fin du coup... ça. Scène de fin! Scène de fin! J'arrive plus à quitter! XSplit est bugué! Non! Du coup, ça veut dire pas de pub! Peut-être qu'il faut que je... Ah, si, c'est bon. Mais le son ne s'est pas coupé, lui. Mmh. Allô?